Beaucoup de frustration, parce que je pense que c'était un beau match engagé, avec une première mi-temps équilibrée. En deuxième mi-temps, je pense qu'on est revenu avec d'autres intentions. En attendant, on était plus proche de l'emporter. Mais ce qui est dommage, c'est ces faits de jeu-là. Voilà, on nous refuse deux buts ce soir très limite. Et surtout, il y a un carton rouge qui doit être sorti. Et voilà, le joueur qui prend le carton rouge n'est pas à l'arrivée sur le but qui leur donne les trois points. Donc on est très déçus, très frustrés de repartir d'ici avec un tel résultat. On savait que c'est une équipe qui allait mettre de l'intensité, de l'impact. Mais ça ne nous posait pas de soucis parce que j'ai une équipe qui a du caractère. On a du répondant. Donc sur la première mi-temps, on a répondu aux défis qu'ils ont imposés. Et en seconde mi-temps, les débats se sont rééquilibrés, on a posé le jeu, on a créé des décalages, on a eu des situations. Mais je répète, quand on nous refuse deux buts et qu'il doit se retrouver à 10, partir d'ici avec zéro point, c'est sévère pour nous. On est venu ici avec des intentions, on a essayé de poser notre jeu quand c'était possible. On a réussi à les amener sur un côté pour aller de l'autre. Voilà, ce qui nous a permis à un moment donné de les faire reculer. Maintenant, oui, il faut continuer, on a montré des bonnes choses. Et je pense sur ces intentions-là qu'on doit s'appuyer sur les matchs qui vont arriver. Au début, c'était un combat, donc pour les deux équipes, c'était difficile. Donc il a fallu répondre à ces défis-là, on l'a bien fait. Et en seconde mi-temps, notre jeu s'est mis en place progressivement. On a commencé à faire reculer cette équipe. Voilà, les intentions, elles sont là. Notre projet de jeu est clair. Maintenant, voilà, c'est une déception ce soir, mais il n'y a rien qui est remis en cause. On va se remettre au boulot dès lundi pour aller chercher les points que nous avons perdus ici. Plus un match d'homme qu'un match de Ligue 2, on n'a pas souvent l'habitude d'en vivre comme ça. On a eu affaire à une très bonne équipe de Sochaux qui est à peu près dans le même dispositif que le nôtre, à peu près la même manière de fonctionner, des joueurs de qualité, beaucoup de puissance, beaucoup de technique. Donc il fallait qu'on sorte un gros match encore ce soir pour arriver à arracher des points. L'entame de la seconde mi-temps était difficile pour nous. On a été un petit peu acculés dans notre camp. On avait du mal à ressortir le ballon. Il a fallu laisser passer l'orage. Et après les premiers changements, on a senti du mieux, un peu plus de fraîcheur. Devant, ça nous a amené un poids supplémentaire qui nous permettait de ressortir, d'amener le ballon un petit peu plus haut, de le garder, d'avoir des temps de jeu. Et à partir de là, ça a été pas plus simple, mais disons qu'on s'est senti mieux sur le terrain. Après, c'est un match qui peut basculer d'un côté comme de l'autre. Hein. On arrive à marquer sur une des rares occasions que l'on a. Donc, grosse satisfaction de prendre nos trois points ce soir. Mais. Les deux équipes voulaient prendre des points. C'est vrai qu'il y a eu beaucoup de duels, beaucoup d'accrochages. D'un côté comme de l'autre et de notre côté il fallait qu'on réponde présent aussi dans ces duels là pour pouvoir exister, sinon on aurait été bouffé, on aurait perdu ce match, hein, ce que j'ai dit à la mi-temps. Après il fallait pas précipiter les choses, il fallait pas s'impatienter, et puis on n'avait pas une obligation non plus de gagner ce match. L'important c'était d'essayer de continuer une série de matchs sans défaite. C'est chose faite.